amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ne choisissez pas le mauvais trou sur Minecraft. Et pour cette vidéo les amis, je ne suis pas tout seul, puisque je suis en compagnie de mon petit frère. Ça faisait super longtemps qu'on l'avait pas vu. Bah ça comment va super. Ouais, bah dites-nous en commentaire d'ailleurs comment vous allez vu que c'est la rentrée. En tout cas, voilà, comme je le disais les amis, on a 6 personnages, 6 trous en face de nous. On a tout simplement le trou de Roronoa dans One Piece, le trou du Skibidi Toilette numéro 60, c'est le dernier Skibidi. Ouais, c'est le grand-père des Skibidi. On a également Luffy, on a également Nami de One Piece, on a également le Titan Speakerman et TV Woman les amis. Donc cette vidéo risque d'être très très drôle. Ouais, TV ou bad carrément. Bon, on va voir après à quoi elle ressemble. T'as une petite idée de quel trou on va aller visiter en premier, mon petit frère, en vrai? Je sais pas, toi tu préfères lequel entre tout ça? Bah ouais, moi je pense qu'on va aller voir le Titan Speakerman, c'est celui que je connais le mieux. En tout cas les amis, avant qu'on aille visiter ce trou, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications. On va tout droit vers les 300 000 abonnés, du coup je compte sur toi. Et maintenant que tu es abonné, on va directement dans le trou, c'est parti, let's go. Ok, c'est bon, on est arrivé, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Il y a de la lave en dessous. Alors, mission finir le jump et affronter Titan Speakerman au spliff. Ok, donc t'es fort en spliff? Je suis plutôt bon, et toi en vrai? Moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de spliff, mais en vrai je pense que je me débrouille hein. Ok, bon bah on verra ça, au pire des cas tu me laisseras faire. Bon, déjà là ce qu'on va faire... Déjà faut faire le jump. Ouais, c'est ce qu'on va faire, on va commencer par le jump les amis. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois ce jump, mais il faut surtout pas tomber dans la lave, voilà, c'est super important. Hop, ah bon, let's go. Enfin on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Hop, let's go. Ok, c'est bon, pour l'instant on s'en sort les amis, on a fait déjà la moitié du jump hein. Ça va Théo, tu t'en sors toi aussi? Ouais, je m'en sors. Ok, bon c'est nickel alors. Alors là ça commence à se compliquer un petit peu, ouais. Par contre fais gaffe, garde beaucoup d'espace entre nous deux. Faut vraiment pas que tu me pousses en vrai, hop. Ok, c'est bon, moi j'ai fini le jump. Ok, toi aussi c'est nickel, on est tous les deux en vie encore. Non, t'inquiète pas, bon, il y a quoi dans ce coffre? Ok, il y a une pelle en diamant, bon, malheureusement, il y en a qu'une, Théo. Du coup, je vais devoir faire un fight contre lui. Ouais, tu vas regarder, et au pire des cas, si tu veux, on fera un fight après pour voir qui est le plus fort, s'il reste encore des blocs. Bon, du coup, hop, ok, regardez les amis, il y a le Titan Speakerman juste en face. Pourquoi il y a de l'eau par contre, là? Je sais pas s'il parle, il a pas l'air de bouger. Okay. Wow, ok, sa voix elle fait flipper. C'est quoi sa voix? Bon, le Titan Speakerman, je dois t'affronter au spliff, c'est ça? Mais qui est le vrai Razen? Effectivement, on se ressemble beaucoup avec mon frère, non, mais c'est moi le vrai Razen. Oui, c'est celui qui a tué la peine. Tu es le plus moche, bien sûr. Ah ouais, je suis pas gentil ça. Pour la peine, je vais me venger, j'ai intérêt de te battre au spliff. Bon, en tout cas, t'es prêt? Oui, bien sûr. Ok, vas-y, 3, 2, 1, let's go, c'est parti du coup les amis, que la partie de spliff commence. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi il y a de l'eau, j'espère que c'est pas pour se rattraper si jamais il tombe. What, il t'a tapé? Ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de me frapper avec la pelle, là, t'as pas le droit de faire ça, hein, c'est interdit. Ouais, tu dois juste casser les blocs de neige. Ok, bon, pour l'instant c'est plutôt serré, le terrain se rétrécit de plus en plus. Rezen, ouais, il regarde pas derrière lui, il faudrait que tu fasses un truc comme ça. Ouais, mais ça va être compliqué, hein, parce qu'il est constamment en mouvement en vrai, hop. Bon, regarde. Là il reste de moins en moins de blocs, ok, il a l'air plutôt fort le Titan Speakerman en vrai. Wow, ok, let's go, c'est bon moment. Wow, je suis sur un bloc là. Il est tombé. Eh mais il est tombé tout seul du coup. Oh là là, quel naze, Il regarde pas derrière lui. Ok, bon bah nickel. Bon, et Théo, du coup vu que j'ai battu le Titan Speakerman au spliff, tu veux faire une petite partie vite fait avec les blocs qui restent? Vas-y, attends, je vais voir s'il y a une pelle là. Ouais, mais je crois pas qu'il y a de pelle, t'en as pas une sur toi? Bah attends, j'ai cassé du bois là-haut, je vais me faire... Ok, vas-y, bah dépêche-toi, fais-toi une petite pelle. Et en attendant du coup que mon petit frère Théo fasse une pelle, n'hésitez pas également à mettre un énorme pouce bleu si on pourrait atteindre les 600 pouces bleus. Ça me ferait super plaisir, du coup voilà, je compte sur vous également pour ça. C'est bon Théo, t'as craft ta petite pelle? J'ai une pelle en bois. Ok, bon ça devrait faire l'affaire, on verra bien. Hop, bon vas-y, chacun à une extrémité du coup de l'arène. Et c'est parti que le deuxième combat commence pour savoir lequel est le meilleur. Ok les amis, bon il a l'air de jouer très très agressif. Hop, let's go. Ok, je vais faire pareil. Oh non, ah mince, j'ai triché. Je l'ai poussé les amis je crois. Bon,
Après j'ai gagné, regardez, il est en train de tomber dans le vide. Vous inquiétez pas, il pourra respawn bien évidemment. Mais voilà, bon je sais pas vraiment si j'ai gagné. Du coup vu que j'ai un petit peu triché, je l'ai poussé avec ma pelle sans faire exprès. En tout cas voilà les amis, on en a fini pour le premier trou. On va directement passer au deuxième. Et pour ça on se retrouve au lobby. Du coup à tout de suite. C'est bon les amis, je suis de retour au lobby. Et du coup mon petit frère est de retour également. Moi, bon, aimé, hein. Désolé, je pense que j'ai un peu triché sans l'avoir bah, voulu oui. Mais en plus, j'ai galéré. J'ai galéré à revenir. Ok. Bon, en tout cas, voilà. Pour me faire pardonner, si tu veux, tu as le droit de choisir le deuxième trou dans lequel on va aller visiter de cette vidéo. Ouais, vas-y. Tu vas aller voir qui en vrai? Bah, en vrai, j'aimerais bien voir un personnage One Piece parce que la série est en train de marcher sur Netflix. Du coup, je voudrais bien tester. Ah, ouais, t'as regardé la série et tu kiffes? Bon, en vrai, d'ailleurs, ouais, j'aime beaucoup. Dites-nous, vous, les amis, en commentaire si vous l'avez vu sur Netflix, la série One Piece. Moi, personnellement, voilà, j'ai regardé tous les épisodes de l'animé et même la série, bah, tout simplement en live sur Netflix. Du coup, c'est parti, on va aller voir Nami, ça te va? Nami? Ouais, c'est elle, vas-y. Elle avec ses cheveux orange. Ok, vas-y, va en premier et moi je vais en deuxième. C'est parti, let's go. Ok, c'est bon, on est arrivé. Wow, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, regardez, il y a Nami en face. Alors, mission, finir les deux courses de bateau contre Nami. Ok, les amis. Ah, il y a ouais. D'ailleurs un petit perroquet là. Bon, on va aller la voir, on va aller à sa rencontre. Coucou Nami. Aïe, wow, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pas dit que t'étais pas à mon goût en fait dans la dernière vidéo. Ouais mais là j'ai pas le choix de revenir te voir là en vrai Nami. Ouais mais moi j'ai pas envie. Par contre toi, oh là là mon Ah ouais, je sais quoi ce délire. Attendez Nami, elle est en train de faire chaud mon petit frère là. Wow, et calmez-vous là, on n'est pas là pour ça là. Si vous voulez j'ai 13 ans. Vous rencontrer non, comment ça t'as 13 ans? Ouais, je rigole. Bon, du coup on n'est pas là pour ça Nami. Nous on est là pour faire la mission. Du coup on doit faire une course de bateau contre toi, c'est ça? Ouais apparemment. Ok, par contre il y a un petit problème. On peut monter à deux dans un bateau Nami en vrai? Bah j'en sais rien, c'est vrai que t'es assez massif, donc je sais pas si ça va comment pas... Comment ça je suis assez massif? Attendez, j'ai une corpulence normale. Attends, monte, bon, j'ai monté hop, avec let's toi. Go, vas-y, c'est ok bon. C'est bon, on peut monter à deux. Non, changement de règle, le petit poussin derrière il vient avec moi. Wouah, wesh, ok, je crois que Nami est vraiment amoureuse de mon petit frère les amis. Elle veut carrément qu'il monte sur son bateau. Vas-y. Bon c'est pas grave, ça fera moins de poids pour moi et je vais sûrement gagner du coup. Vous êtes prêts? Oui. Ouais bah oui, 3, moi, check 2, 1... Let's go, c'est parti du coup, la course de bateau commence. Ok, bon ami et mon petit frère pour l'instant sont en tête. Ouais. De très peu. Aïe, aïe, allez, wow. Ok, ok, non, j'espère pas que Nami va gagner. On va oh gagner, là là. On va gagner. Ok, bon, après, Nami, c'est une pirate, hein, les amis. Donc, elle sait manier le bateau. En plus, oui. Je crois que c'est la navigatrice du bateau de Luffy dans One Piece. Donc, voilà, ça m'étonne pas si elle gagne. Ok, let's go. On passe à la deuxième salle, du coup. Ok, elle a laissé mon petit frère tout seul. Oh, elle est coincée dans une toile d'araignée. Let's go, c'est mon moment, les amis. Je vais peut-être gagner. Hop, je les ai doublés. Mais en tout cas, j'ai pris une grosse avance. Ok, let's go, les amis. On est bientôt à la fin. Hop, c'est bon, je suis arrivé, je crois. Ok, alors Nami et Razon, c'est bon, j'active mon levier, let's go, j'ai gagné. Razon, j'arrive. Ok, ouais, ils font carrément le parcours à pied tellement ils sont nuls. Ok, bon, j'ai une légère avance sur vous là, clairement. Ouais, active quand même. Attends, j'arrive, en fait. Et Nami, qu'est-ce qui s'est passé là, wesh? Je croyais que t'étais une pirate. C'est ton frère, il est trop lourd là. Ouais, non, c'est vrai. Cherche une excuse en vrai, t'étais juste coincé dans une toile d'araignée. Mais enfin bref, du coup, Nami, c'était plutôt cool de te rencontrer. Nous, on va te laisser là parce qu'on a encore 4 trous à aller visiter. Du coup, ouais, les amis, c'est ça. On se retrouve au lobby. À tout de suite. C'est bon les amis, on est de retour au lobby et on va passer au troisième trou de cette vidéo. Comment ça, c'est et facile? Elle m'a donné son numéro. Ah ouais, elle t'a donné son numéro carrément. Ok, ouais. Bon bah, les amis, il y aura peut-être une prochaine vidéo qui va arriver où mon petit frère va date Nami de One Piece, hein, qui sait. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous voudriez voir ça, ça serait assez drôle je pense. Bon, en tout cas, on va passer au troisième trou comme je le disais. Et il reste encore TV Woman, Luffy, le Skibidi Toilette numéro 60 et Roronoa Zoro de One Piece. Du coup, je pense qu'on va aller voir TV Woman, c'est le personnage que je connais le mieux de ceux qui restent. C'est Diablofi 35. Ah, c'est l'ex de Diablofi 35, TV Woman? Ouais. Ok, moi bon, j'étais pas au courant. Ils sont en couple. Ok, pourquoi ça s'est fini en vrai? Bah faut regarder. Ok, bon bah allez regarder les vidéos de Diablofi 35 les amis si vous voulez savoir. En tout cas, c'est parti, let's go les amis. Je rentre dans le trou. Ok, c'est bon, je suis arrivé. Alors, mission affronter TV Woman au Build Battle. Ok les amis, bon on a déjà fait ça. Du coup, coucou TV Woman. Qu'est-ce qu'elle fait?
Ouais, ok, elle voit trop kawaii là, hein. Bon, du coup, Tevoman, c'est quoi le thème aujourd'hui du Bull Battle? Il faut faire une pancarte. On va faire une pancarte. Ok, mais ça a l'air plutôt simple en vrai, hein. Tu sais build toi, Théo? Bah, moi, c'est pas mon point fort, mais... Ok, bon, on verra ça de toute manière. Au pire des cas, voilà, tu m'aideras. Même moi, c'est pas mon point fort. T'es forte en bulle, toi, TV Woman? Non. Ok, bon, bah, ça va alors. Ok, bon, vas-y, viens, Théo. On va commencer. T'es prête? Je suis prête. Ok, bon, bah, c'est parti. Let's go. T'es prête, hein. On va build une pancarte. Par contre, c'est une pancarte Minecraft, TV Woman. Elle commence déjà, Ouais. Ok, bah, vas-y, viens, on se dépêche. Alors, ouais, je sais pas du tout. Attends, comment on va faut faire ça. Comme ça. Ouais, attends, faut faire une colonne pour faire le truc qui tient la pancarte, comme ça. Hop, on va monter en hauteur comme ça. Ok, là on a déjà un petit début de quelque chose. Bon, après notre pancarte sera pas incroyable, hein, les amis. Mais voilà, on va essayer de faire un truc propre. Et là, on a déjà la base en vrai, hein, je pense, Théo. Vas-y. Ok, regarde, bon maintenant, il faut rajouter des styles d'écriture, tu vois, à l'intérieur, comme une vraie pancarte dans Minecraft. Attendez, comment ils ont fait ça? On va regarder vite fait. Ok, bon, faut juste regarder comme ça. Hop, alors, il faut mettre des blocs comme ça. Ok, ça va ressembler à rien. Attends, tu du connais tout. Déjà Bah, en fait, j'ai pris une pancarte dans ma main, du coup, ah voilà, bah, j'ai un petit écrire. Peu l'exemple. Ouais, mais attends. Ok, hop, on va faire un truc comme ça. Bon, c'est un peu cringe un peu, non? Non, regarde, là, c'est bien. Ouais, ça va, ça passe, en vrai. Attendez, on va faire un truc comme ça aussi. Ok, bon, elle ressemble à absolument rien, notre pancarte. Attendez, on va essayer de l'augmenter. On la faire en 3D. Voilà. Hop, comme ça. Elle fait un beau truc, là, Tevoman. En vrai, je regarde pas, moi, je triche pas. Avant que, voilà, ça soit pas fini. Non, c'est beau ce qu'elle fait ou nul. Pas non, ah, c'est éclaté. Ok, bon, ça me rassure alors. Parce que la note, vraiment, elle est vraiment pas ouf non plus. Tu voudrais faire un truc en 3D en vrai? Ouais, mais je pense que ça sert à rien en vrai. Hein. On peut pas faire mieux là. Hein. Bah, oui, je fais juste la couche. Ok, bah vas-y, fais la couche derrière si tu veux. Ok, let's go, let's go, let's go. Hop. Bon, bah, je pense qu'on a fini. Hein. T'en penses quoi, toi, Théo, en vrai? Bah, elle est nulle. Ouais, elle est nulle, mais je pense qu'on peut pas faire mieux en vrai. Bon, TVOban, t'as bientôt fini toi en vrai? Non, j'ai pas terminé. Ok, t'as terminé dans combien de temps à peu près? Dans 30 secondes. Ok, ça marche. Bon, 30 secondes, pas une de plus, hein. Hey, il est en train de tout casser. Oh, non. Théo, casse pas son build, hein. Rizem, viens voir. Rizem, viens voir. Ouais. Oh, non, on fait ça à la fin si tu veux, mais pas maintenant. En vrai, on attend quand même qu'elle est finie et on va juger. Tout simplement, vas-y. Quel est le meilleur entre nos deux builds? Si c'est pas l'anneau, tu fais tout péter. Ok, vas-y. Bah, de toute manière, vu qu'on est deux, on a l'avantage numérique. Mais bon, on va pas tricher. Mais si tu veux, à la fin, tu pourras faire exploser tout ça. Et de toute manière, les amis, ça sera à vous en commentaire de nous dire bah, tout simplement qui a fait la meilleure pancarte, hein, entre moi et mon petit frère et TV Woman. Du coup, c'est bon, t'as fini, TV Woman? 10 secondes? Eh, ça fait plus que 30 secondes là, t'es en train de mentir à TV Woman. Ouais, bah ton frère il a tout cassé. Ouais. Eh, Théo, casse pas là par contre, arrête. J'ai fini. C'est bon, t'as fini? Ok, c'est parti les amis, on va découvrir ce que TV Woman a build. Ouais, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? C'est une pancarte TV Woman? C'est pas une pancarte. Mais tu critiques pas en fait. Attends, mais je critique pas, mais enfin, ça ressemble pas trop à une pancarte. Bon, après nous, voilà, c'est pas mieux non plus. Et qu'est-ce que tu fais? On voit un gâteau ton truc. Bon, franchement, on est vraiment pas très très fort en build. Donc, moi je décide tout simplement qu'il n'y a aucun gagnant entre nous trois, tout simplement. Et ça sera aux abonnés de décider laquelle des pancartes passe le plus. Mais voilà, pour moi, les deux sont ignobles. On aurait pu faire mieux quand même. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, hey, modifie pas notre build là, TV Woman, c'est fini. Hey, TV Woman, j'ai un cadeau. Explique-moi, tu vas mettre de la TNT? Oh, comment c'est original! Non, je te wesh, promets. Elle a cramé, regarde, ce que tu regarde, voulais faire. Regarde, viens voir. Ok. Viens voir. Faut que tu te mettes là, faut que tu regardes vraiment le truc, je vais chercher le truc, d'accord? Tu te retournes pas, t'as pas le droit. Ok, bon, on va voir ce que mon petit frère fait, les amis. Ok, bon, il a sorti la TNT déjà. Wow, ça va tout péter là, je crois. Hop, okay. Tac. Ouais, alors, non, mais il est là, le gâteau. Mince, j'ai dit le truc. Vas-y, c'est bon, tu peux voir.
C'est original, ça. Oh, ok, va tout faire exploser, les amis. Wow. Ah non, wow. Ok, vite, on se barre d'ici avant que TV Human ne pète un câble et décide de nous attaquer. C'était vraiment pas une bonne idée en WTO de faire ça. En tout cas, les amis, nous, on se retrouve au lobby pour passer, du coup, au quatrième personnage de cette vidéo. Du coup, à tout de suite. C'est bon, les amis, on est de retour au lobby. Et du coup, on va passer cette fois-ci au quatrième trou de cette vidéo. Bon, du coup, mon petit frère Théo, là, c'est à toi de choisir lequel on va aller voir, là. Bah, moi, je continue dans ma lancée avec One Piece. Du coup, attends, on va prendre Renault à Zoro. Ok, tu vas aller voir Zoro. Et ouais, c'est la première fois que je vais le voir dans Minecraft. Le dernier, ça sera lui, là. On va aller voir Luffy. Ok, juste après, on ira voir Luffy, du coup. Et ensuite, le Skibidi Toilette 60. Du coup, c'est parti, les amis. On va voir Zoro. Ok, on est arrivé. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mission, construire une épée en diamant et combattre Zoro. Wow. Ok, on va devoir l'affronter. Sauf que les amis, pour ceux qui suivent un peu One Piece, Zoro, il a 3 sabres. Je sais pas s'il aura 3 sabres là, du coup, dans cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, il est très très fort à l'épée. Donc ça va être très très compliqué. Bon, déjà, on va trouver ce qu'il nous faut pour faire une épée en diamant. Alors déjà, là, je peux apercevoir les diamants. Ok, on va les récupérer du bois. Ils sont cachés, mais t'inquiète, je les ai vus. Il faut également du fer, du coup, également du charbon. Et ensuite, c'est parti, let's go. Ok, hop, je vais récupérer 2 bûches. Je pense que ça va suffire. T'as récupéré des bûches aussi, toi, Théo, en vrai? Ouais. Ok, nickel. Bon, on va faire des bâtons, vu qu'il y a déjà une table de craft ici. On va commencer par faire une petite pioche. Ok, c'est bon, j'ai la pioche. Maintenant, on va récupérer un petit peu de pierre. Et on va se faire une pioche en pierre. Tiens. Ensuite, une pioche en fer et ensuite en jams. Ah, t'en as déjà? Ok, nickel. Hop, je récupère tout ça. On va faire, du coup, maintenant, la pioche en pierre, comme je le disais. Et on va aller récupérer du fer. Il est où, le fer, par contre? Oh, ok, c'est bon, il est là. Let's go. Théo, par contre, toi, t'auras pas d'épée, en vrai, hein. Ah, c'est pareil, moi. Hey, tu sais, moi j'ai une pioche en bois. Ok, bon, bah ça va pas faire long feu, je pense, face à Rohan ou à Zoro. Mais voilà, au pire, t'en fais pas, c'est moi qui vais me combattre contre lui. Ok, let's go, y a plus qu'à faire chauffer tout ça. Par contre, c'est étrange qu'on doit faire un combat contre lui parce que Zoro il est plutôt gentil de base en vrai. Ouais, mais bon, c'est... Bon, c'est la mission, on verra bien de toute façon. Et d'ailleurs, on l'a toujours pas encore vu, les amis. Je ne sais pas où il se cache. Il doit être quelque part dans la forêt. On le verra peut-être après, les amis, une fois qu'on aura fini l'épée en diamant. Il y a écrit quoi, là? Vite, sinon tu vas finir comme le squelette. What? Quel squelette? Attends, mais il n'y a pas de squelette, là, ici. Wesh. Ok, bon, c'est bizarre. L'endroit est assez cringe, les amis. Ok, c'est bon. Ah, c'est quoi, ça? J'ai les 3 de fer, en tout cas. On va pouvoir récupérer les diamants et se faire la petite pioche. Let's go. J'en ai vu un ici. Ok, et ils sont bien cachés, hein, quand même. Le deuxième, il était où? Ok, il est là-bas. Dépêche-toi, parce que j'entends quelqu'un marcher, là. Ah, t'entends quelqu'un marcher? Ok, bon, ouais, je me dépêche. Hop, on va faire ça. Ah, mais attendez, mais je suis bête. C'est une épée en diamant qu'on doit faire, pas une pioche en diamant. Ok, c'est bon. J'ai l'épée en diamant. Il marchait vers où, au juste? Par là-bas, je crois. Ok, on va aller voir ça. Oh, j'ai vu quelqu'un, je crois. Ok, regardez, les amis. Wow, il y a Rorono à Zoro, du coup. Il a 2 sabres en main. Enfin, c'est 2 épées, du coup. Ok, il fait super flipper, les amis. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, viens là. Attaqué en premier. Allez, viens là, viens te battre. Non, viens te battre contre moi. Non, il va tuer mon frère, les amis. Non, allez. Ok, il va tuer mon frère. Mais qu'est-ce qu'il est bête? Pourquoi il lui a dit viens te battre? Il a qu'une pioche en bois. Jamais de la vie. Il fait face à Roi de Zoro, les amis. Ah, ok, le squelette était là. Ok, bon, attends, je vais essayer de t'aider, Théo, mais c'est compliqué. Il court très très vite. Il est parti où là? Il est parti là-haut. Ah, ouais, il peut se téléporter carrément. Ok, les amis, il est là-haut maintenant. Allez là, descends de là. Ok, il est là. Ah, après mon frère. Ok, c'est bon, je vais l'attaquer moi aussi. Vas-y, tape-le avec ta pioche en bois. Ok, c'est bon, let's go, on a réussi à le battre. Et franchement, bon, il était pas très très fort là dans cette vidéo en vrai. Rorono à Zoro. Je pense que c'était Rorono à Zoro, guerre 0. Rorono à Zoro de Wish là, parce qu'en vrai, sinon il aurait tenu bien plus longtemps et il nous aurait déglingué, je pense. Bon, en tout cas, voilà, le principal c'est qu'on a réussi la mission et du coup, on va déjà passer au cinquième trou de cette vidéo. Du coup, on se retrouve au lobby. À tout de suite. C'est bon, les amis, on est de retour et il reste plus que 2 personnages. Du coup, Luffy et le Skibidi Toilette 60. Donc, comme je l'avais dit, on va aller voir Luffy en avant-dernier et pour finir,
D'ailleurs, on finira avec le Skibidi. Eh, franchement, il fait flipper le Skibidi un petit peu là. Ouais. Voilà. Bon, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. C'était tout simplement lui qui attaquait la tour de la Pat Patrouille. Mais du coup, c'est parti. On va aller voir notre ami Luffy. J'espère qu'il sera gentil. Hop, let's go. Bulidana. Ok, c'est bon, je suis arrivé. Sachi Bulidana. Allez. Ok, c'est bon, il y a Luffy. Coucou Luffy. Luffy, roi des pirates, pas pour vous servir. Pas pour nous servir. Ok, bon alors, mission finir le jump avant Luffy. Wow. Ah mais attends, mais c'est toi qui as construit tout ça là? Non, pas du tout, je l'ai volé à quelqu'un, c'est plutôt stylé. Ok, ah t'as dû sûrement le voler à Deka, non, le jump? Ouais, carrément, il est beau hein. Ouais, il est plutôt stylé. Ouais, il est moche, bon, Deka. Du coup, si j'ai bien compris, on va devoir faire la course, c'est ça? Carrément. Ok, et du coup, on gagne quoi si jamais on gagne? Ah, je sais pas, j'ai peut-être de l'or, j'ai des armes, je sais pas. Ok, bon bah on verra ça alors. T'as dit quoi, Théo? À nous les armes à Zoro. Bah Zoro il nous a dézingué, enfin on l'a dézingué tout à l'heure. Donc voilà, on va éviter de dire armes. Sinon Luffy va péter un plomb qu'on ait tué un membre de son équipage. Mais non, mais pas Zoro, on parle de Zara. Ah, Zara, ouais, Zara, le magasin non, Zara. Non, Zoréo. Zoréo, ouais, ok, bon si vous voulez, bref, on commence la course ou c'est comment là? Ouais, et moi j'ai pas le temps d'attendre. 3, 2, 1, let's go, okay, c'est parti. Ok, c'est parti. Wow, wow, il est très très pressé Luffy hein. Ok les amis, alors là il faut sauter sur le trampoline. Oui, non. Ok, oh le big flop. Ok, moi j'ai réussi, let's go. Pour l'instant du coup, je suis en avance sur eux. Ok, là il n'y a pas le droit à l'erreur les amis. Je me concentre, allez c'est parti. Ouais, on a une grosse avance sur eux là, le temps qu'ils réussissent le trampoline. Let's go, là maintenant il faut esquiver la lave. C'est bon, tu me suis Théo? Ok, ouais, là maintenant il faut sauter là. Ok, c'est bon, j'ai réussi également. Hop là, il faut sauter dans l'eau. Eh, qu'est-ce qui m'arrive là? Je deviens incroyable en jump. Il n'y a plus rien qui m'arrête les amis. Oh là là, je suis du peu que j'ai vu tes vidéos, c'est assez rare. Ouais, ouais, c'est assez rare. Là, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, c'est mon jour de chance, je crois. Ok, on va carrément le faire sans m'arrêter. Eh, hey, qu'est-ce que tu fais, Théo, là? Wow, triche pas. Ok, regardez les amis, sans m'arrêter. Oh là là, je deviens le dieu du jump. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, on me frappe, on essaye de me pousser dans la lave. J'ai bientôt fini, les amis. Let's go. Ok, c'est bon, j'ai réussi. On est de retour à la case départ. Oh, t'es là, Théo. Eh, hey, mais toi, t'as triché en vrai, tu comptes pas. Non, j'ai pas triché. Si, t'as triché. Bon, Luffy, il arrive. Bien, ouais. Bah je suis désolé Luffy, mais tu vas devoir me donner ton butin là hein. Ouais, j'avoue, c'était plutôt pas mal. Bon, qu'est-ce que je te sers? Qu'est-ce que je peux avoir de beau? J'ai surtout des sabres, mais je pense que c'est pas trop ce qui va t'intéresser, ouais, on est d'accord? Je pense que contre le Skibidi Toilette 60, on aura besoin d'armes, je sais pas si t'as ça. Alors, j'ai un flingue, quelques munitions quand même, ça c'est important. J'ai un fusil, pour le mec un peu chelou à côté de toi, j'ai ça, je sais pas trop ce que c'est, tiens. Wow. Et c'est quoi ton prénom déjà? Razen, si je me souviens bien, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Wow. Tiens, je te donne une arme secrète que tu peux utiliser qu'une fois, j'ai qu'une munition. Et cadeau. Ok, nickel, un lance-roquette du coup. Eh, ça c'est quoi? J'ai eu un lance-roquette. Attends, je peux tester l'arme sur toi? Non, bah non, c'est mort. De toute façon, il est en caoutchouc, les balles vont rien lui faire à Luffy. Bah oui, tu savais pas. Oh non, arrête, tu vas l'énerver. Nous on va une nouvelle fois s'enfuir d'ici, on se retrouve au lobby pour le dernier personnage de cette vidéo. C'est bon les amis, on a réussi à s'enfuir de l'emprise de Luffy. Et du coup on est face au dernier trou de cette vidéo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Théo? Eh, tu peux pas me passer une épée? Bah ça va te servir à quoi une épée sachant que t'as une arme? Ouais, mais c'est au cas où, corps à corps, parce que... Ok, bon bah tiens, prends mon épée, moi je vais garder le fusil et le lance-roquette ainsi que le pistolet. Vas-y. Du coup. Bon, t'es prêt? Il risque d'être très très méchant, hein, ce personnage-là. Bah, je suis prêt, c'est le dernier de la vidéo. Ah ouais, carrément, t'as un minigun. C'est Luffy qui t'a donné ça? Bah oui, il a dit que c'était une arme, mais il savait pas trop c'était quoi. Ok, bon bah on va voir ça, mais je crois qu'elle a l'air très très puissante. Du coup, t'es prêt? 3, vas-y. 2, 1, c'est parti, let's go! Ok, c'est bon, je suis arrivé. Alors, mission, affronter le Skibidi Toilette numéro 60. Merci. Bon, c'est bel et bien ce que je pensais, on va devoir l'affronter. J'espère qu'on sera de taille face à lui. Vas-y, viens, attends, on avance. Vas-y, pas trop vite, hein. Ouais, pas trop vite, faut d'abord voir où il est. Oh, ok, regarde, il est en haut, là, dans la montagne. Wow, attends, on l'entend, viens. Je crois qu'il nous a vu, là. Ok, je te suis. Let's go. Bon, pour l'instant, il nous attaque pas, les amis, mais ça ne serait tardé, je pense. J'ai pas le temps de parler. Ok. Il m'a tiré une balle dessus, les amis. Bon, je vous le rappelle, j'ai un lance-roquette. Ah, mais non, c'est pas un lance-roquette que j'ai. Il m'a donné un silencieux. Non, les amis, ça veut dire que j'ai pas de lance-roquette. Bon, bah, Théo, c'est toi qui devras faire tout le travail, en vrai. Hein. T'as la meilleure arme. Du coup, vas-y, essaye de l'attaquer. Moi, je vais l'attaquer avec mon fusil à pompe aussi. Je vais faire le tour. Ok, il est juste là. Vas-y, viens, essaye de le faire. On s'est dit qu'on se repérait. Ouais, on s'est très vite revus.
Wow, d'ailleurs, j'ai déjà plus de balles dans mon arme. Ok, mais Luffy, attendez, mais il m'a arnaqué là. Bon, bah, du coup, j'ai qu'un pistolet. C'est parti, let's go. Allez, faut qu'on le trouve et qu'on le tue, les amis. Je sais pas, il se téléporte à chaque fois. Il est derrière moi, Let's go, vas-y, attaque-le. Ok, il est en train de tirer au fusil à pompe. Par contre, fais gaffe, je crois qu'il a un lance-roquette lui, hein. Ah bon, ok, j'aurais pas dû dire ça, du coup il l'a sorti les amis. Ok, wow, il est en train de tout détruire. Bon après c'est pas notre maison ici donc on s'en fout un peu. Tant qu'il ne nous détruit pas avec. Hop, ok il est là, juste à côté de moi. Wow, fais gaffe. Je suis tombé. Oh t'es tombé, vas-y, rentre vite. Je détruis la tienne. Il est très très fort en tout cas. Il est trop nul, il est gaze. Mais non, il est pas gaze du tout, il est en train de nous défoncer là. Wow, ok. Wow, faut que je fasse gaffe. Aïe, ok, il m'a tiré une roquette dessus. Ça va, j'ai pas pris trop de dégâts. Eh, Théo, faut vraiment que tu t'actives tes super pouvoirs ou j'en sais rien là. Mais faut que tu le maraves en vrai là. Vas-y. Attends, je suis en train de le tuer là. Vas-y, tu le tues là. Ok, non, t'es en train de fuir là, t'es pas en train de le tuer du tout. Wesh. Vas-y, aïe, fi. Ok, vite. Allez, mets le paquet là. Il faut vraiment qu'on le termine. Il est où? Il est où? Ok, c'est re-téléporté. Je crois qu'il a un petit peu peur quand même, hein. Aïe, wow. Ok, il a complètement détruit l'endroit, les amis. Ok, les dards, vas-y. C'est le moment, vas-y, attaque-le. Wow. Ok, c'est bon, les amis, on a réussi. Wow. Eh, ton arme, elle est très très puissante. Enfin, Théo. Oui, j'ai poussé. Tu l'as poussé dans la lave, du coup, c'est comme ça qu'il est mort. Bon, faut trouver un moyen de s'enfuir d'ici. Mais en tout cas, bah, on a réussi la mission, les amis. On a réussi toutes les missions de cette vidéo. Ouais, vas-y, on va sortir par là-bas. Mais fais gaffe quand même, tombe pas dans la lave, toi aussi. Hop, let's go. Ok, il y a une sortie ici, du coup, vu qu'il a tout détruit. C'est parti. Bon, en tout cas, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche et des notifications, comme je l'ai dit dans l'introduction. C'est super important. Mais également, les 600 pouces bleus, si on pourrait les atteindre, ça me ferait également très, très plaisir. Et le petit commentaire pour me dire, du coup, si vous avez vu la série One Piece sur Netflix. Et également, qui entre nous deux et TV Woman a gagné le Bull Battle. En tout cas, voilà, un grand merci aux acteurs ayant participé à cette vidéo. Il y avait tout simplement DK et Com, leur chaîne seront en description. C'était Razen, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut.